Siis on Europa Viking Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Estonia, Sili Europa. Are you calling mayday? Oletteko tulossa apun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Todella pahalta näyttää tässä kyllä. Estonia, what's going on? Estonia, can you reply? Le ferry Estonia n'arrivera jamais à Stockholm. 852 personnes vont perdre la vie dans la mer Baltique dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994. C'est la plus grande catastrophe maritime en Europe depuis 1945. Cette femme était à bord de l'Estonia cette nuit-là. Sirisa Meut est estonienne, elle s'occupait de la comptabilité du ferry. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Il a coulé si rapidement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas compréhensible pour les gens ordinaires. Je sais que cela a été une très grande tragédie et qu'il faut que je vive avec ça, et que je trouve la paix. Je sais bien qu'il faut que j'arrive à trouver la paix, mais quand je connaîtrai les réelles causes du naufrage, cela m'aidera à surmonter cette douleur. Sirisa Meut, comme beaucoup d'autres, ne croit plus vraiment à la thèse officielle de l'accident. Ils sont nombreux à se demander comment l'Estonia a pu couler tout seul, au milieu de la Baltique, en moins d'une heure, sans cause extérieure. Il faut dire que l'Estonia n'était pas un ferry comme les autres. C'était un symbole. Le premier bateau qui reliait à nouveau l'Estonie à l'ouest depuis la rupture avec le bloc soviétique. Haut comme un immeuble de 10 étages, l'Estonia était le fleuron du pays. Rarement un naufrage aura provoqué autant d'émotions, mais aussi autant de rumeurs étranges. Les doutes sur l'origine de cette tragédie ont pris une telle ampleur que la Suède a commandé une nouvelle étude du naufrage. C'est donc 14 ans après le drame, dans la ville suédoise de Göteborg, qu'une commission scientifique va rendre son verdict sur cette tragédie. Père d'une victime, Bertil Calamius a traversé la Suède pour y assister. I don't believe it's an accident. Je ne crois pas que c'est un accident. Surtout quand on voit comment les autorités ont essayé de cacher ou de faire obstacle à la vérité. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ma fille est morte? Il n'y a pas eu de réponse convaincante. Des scientifiques suédois, allemands, écossais, néerlandais viennent de travailler pendant 2 ans à la reconstitution de la séquence du naufrage. Cette piscine laboratoire permet de recréer à l'échelle de la maquette le vent et les vagues de la nuit du drame. Il s'agit de savoir si le ferry estonien pouvait ou non couler tout seul lors d'une tempête somme toute modeste. Que s'est-il donc passé cette nuit-là ? Quand c'est arrivé, je dormais. Il s'est produit quelque chose de si violent que cela m'a jeté hors de ma couchette. Ce fut extrêmement difficile de sortir du bateau parce que je vivais sur le pont numéro 4. La seule façon de survivre, c'était de me hisser à la force de mes bras, accroché à la rampe d'escalier, et cela du pont numéro 4 au pont numéro 7. Les escaliers, les corridors sans fin deviennent des pièges mortels pour les passagers qui essaient de fuir. L'agite de plus en plus accentuée transforme le moindre plancher en un mur infranchissable. Les gens hurlaient parce que tout le mobilier des ponts supérieurs se déplaçait. Les machines à jeux tombaient sur les gens. C'était vraiment la panique à bord.
really panic on the ship. Parce que tout le monde savait dans quelle direction il fallait aller. Mais cela dépendait de la force de chacun. À peine un tiers des passagers réussiront à atteindre le pont supérieur. Il leur est impossible de mettre les canots de sauvetage à l'eau et les radeaux de survie sont en nombre insuffisant. Ils n'ont pas d'autre choix que de sauter dans une mer glaciale. 50% d'entre eux n'y survivront pas. Je me suis laissée couler et ma première pensée a été « Oh, je suis probablement morte maintenant » et je vois mon propre corps tomber au fond de l'eau. Et puis ma deuxième pensée, ce fut « Mais qu'est-ce que je fais ? J'ai un enfant de 6 ans à la maison. » Et cela a été probablement le tournant le plus important dans cet accident pour moi. Car c'est là que j'ai vraiment compris qu'il allait falloir me battre pour survivre si je voulais sauver ma peau. Une fois dans le canot de survie, au début, je pouvais entendre tout autour beaucoup de gens hurler à l'aide dans différentes langues. Mais plus le temps passait et plus les voix s'évanouissaient. Et à la fin, ce fut le silence. Le bilan sera de 852 victimes et 137 survivants. L'Europe est bouleversée, mais l'affaire Estonia ne fait que commencer. Car rien ne va se passer comme après n'importe quel autre naufrage. Et ce sont les toutes premières décisions du gouvernement suédois qui vont déclencher les doutes sur l'origine du drame. Nous avons espéré, bien sûr, pendant plusieurs jours. Mais quand il a fallu accepter que le pire était arrivé, que Maria était morte dans cette tragédie, nous nous sommes attendus à ce qu'on ramène les corps chez nous. C'était normal. Partout ailleurs, dans n'importe quel drame, c'est ce que font les gens. Remonter plus de 800 corps aurait été une tâche extrêmement traumatisante pour ceux qui auraient été appelés à le faire. Il est indécent de laisser les corps à l'endroit d'un accident quand vous pouvez les récupérer. Vous pouvez les ramener pour qu'ils soient enterrés. Il aurait été possible de renflouer l'épave, mais c'était techniquement extrêmement difficile à faire. Renflouer un bateau de cette taille à cette profondeur, cela n'a jamais été fait. La gestion par les États concernés est extrêmement surprenante. À commencer par le fait qu'on n'ait pas envisagé ni de relever l'épave, ni même d'extraire les corps. L'épave de gisant à 80 mètres de fond, ça pose sur le plan technique à peu près aucun problème. Les familles étaient inquiètes. Puisque le bateau n'allait pas être renfloué, des plongeurs pourraient s'aventurer sur l'épave. Il y avait donc cette option de le recouvrir pour que, techniquement, il ne soit pas accessible. Il y a des milliers de bateaux au fond de la Baltique. Mais l'Estonien était le seul qui devait être recouvert de ciment. Quand un État décide de recouvrir de béton, par nature, c'est pour cacher ce qu'il y a dessous. Donc forcément, c'est par nature suspect. Si on le recouvrait de ciment, on perdait pour toujours la possibilité d'obtenir des preuves. Notre seul but était de faire pour le mieux. L'opération, très coûteuse, sera abandonnée parce qu'on n'arrive pas à enterrer l'épave. Elle repose sur des fonds sous-marins beaucoup trop instables. La Suède impose alors un traité qui interdit toute plongée sur l'épave. Étonnant, parce que celle-ci se trouve dans des eaux internationales sur lesquelles aucun pays n'a autorité.
Avec les corps dans l'épave, c'est un tombeau. S'il retire les corps, ce n'est plus un tombeau. Il n'y a donc plus aucune raison de déclarer ce traité qui protège l'épave de toutes les opérations de plongée. Il y a quelque chose qui se trouve à bord de l'Estonia que l'on veut protéger. Et on a besoin pour cela des membres de nos familles. Ils sont otages de cette situation. La Suède, l'Estonie et la Finlande ont formé une commission d'enquête qui prendra 3 ans pour rendre son rapport. Il affirme que l'Estonia était en bon état de navigabilité, tout fonctionnait bien à bord et l'équipage n'est pas mis en cause. Le seul défaut majeur admis, c'est la porte d'étrave. Soumise à une mer forte, ses verrous défectueux ont cédé. Selon ce rapport, la porte d'étrave s'est alors détachée, entraînant avec elle la rampe d'accès. L'eau s'est engouffrée dans le ferry et c'est ce qui a fait couler le bateau en 35 minutes. Pour beaucoup, cette version apparaît trop simple pour expliquer un tel drame. La commission d'enquête s'appuie essentiellement sur l'étude de l'étrave mobile repêchée quelques semaines après le naufrage. Le jeune procureur estonien, qui revient aujourd'hui sur toute l'enquête, s'en étonne encore. Comment peut-on enquêter sur un naufrage sans avoir la moindre chance d'inspecter la coque ? La commission d'enquête n'a pas étudié la preuve principale. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre et à accepter. Pour moi, en tant que procureur. C'est près de Monaco que vit l'ingénieur naval suédois Anders Björkman. Il s'occupe de la sécurité des ferries en Méditerranée depuis 30 ans. Dès le début, il va attaquer la version officielle. Pour lui, elle ne tient pas la route. L'accident ne s'est pas produit comme on nous l'a expliqué. J'ai eu des soupçons dès le tout début. Si ça s'est passé comme ils le racontent, alors le ferry aurait dû immédiatement chavirer et flotter à l'envers. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous avez de l'eau qui s'accumule sur le pont garage, le bateau va immédiatement giter. Et quand davantage d'eau s'engouffre, il va atteindre une condition instable et va se retourner. Et puis, il va flotter parce qu'il y a de l'air dans la coque. Il flotte toujours, mais à l'envers. Anders Björkman s'appuie sur des exemples précis. Des ferries qui ont chaviré et ont flotté pendant des heures, comme les Ralph Free Enterprise en 1987 ou encore le ferry polonais Jan Evelius en 1993. Or, l'Estonia n'a pas flotté. Il a coulé très rapidement. Ce n'est possible, selon Björkman, que si, et seulement si, il y avait un trou dans la coque. Il s'est produit peut-être une collision ou un dégât sous la ligne de flottaison. Et puis le bateau a coulé. Ce qui veut dire que l'étrave mobile, elle, était toujours là. Que la rampe du pont garage était fermée. Rien de ce qu'on nous a raconté ne s'est réellement produit. La coque n'a pas été inspectée ? Non, pas l'ensemble de la coque, non. Parce que le débat est venu plus tard, quand on a commencé à dire qu'il fallait qu'il y ait eu un trou dans la coque pour que le bateau sombre de cette manière-là. Donc, la coque n'a pas été examinée. En Allemagne, près de Berlin, la journaliste Jutta Rabe va consacrer des années à cette affaire. Elle écrit un livre, tourne 14 reportages et produit même un film de fiction sur le sujet. Qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans le cas de l'Estonia, je l'ai deviné pratiquement dès le premier jour. J'avais interviewé des survivants et ils m'avaient parlé de coups violents et de détonations. Donc j'ai pensé immédiatement, oh, il y a dû y avoir une explosion. Et quand plus tard j'ai lu le rapport de la police, rien de tout cela n'apparaissait. J'ai immédiatement pensé qu'ils voulaient cacher le fait qu'il y avait eu une explosion à bord, parce qu'ils ont tout fait pour que cela ait l'air d'un accident normal. Il y avait eu de la mer
et le bateau avait juste coulé. C'est une affaire politique. Il a été coulé par une explosion. Qui a fait cela et pour quelle raison ? Cela n'a jamais été l'intention d'aucun gouvernement de découvrir le fond de l'histoire. Quelqu'un a-t-il voulu faire sauter l'Estonia ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour comprendre, nous sommes partis en Estonie. Aujourd'hui, c'est un jeune pays en pleine croissance, une démocratie parlementaire qui vit au rythme d'Internet et qui fait partie de l'Europe depuis 2004. Mais en 1994, c'est un pays en plein bouleversement qui s'arrache difficilement de la tutelle soviétique. Nous nous rendons sur l'ancienne base navale russe de Padilsky. À l'époque, c'est un lieu interdit. Il ne figure sur aucune carte. On retrouve ici une nouvelle hypothèse pour l'affaire Estonia. Un mystérieux groupe appelé Félix va faire circuler un dossier sur le trafic de drogue dans cette région. Il affirme que l'Estonia a été utilisée pour un trafic d'héroïne et de cobalt par des membres dirigeants du pays. Le témoin principal serait un employé des douanes portuaires qui vient justement d'être assassiné. La presse se jette sur cette histoire. Nous avons retrouvé le principal accusé du dossier Félix, le général Heinzel. À l'époque, cet homme est à la tête de l'armée estonienne. Son parcours est surprenant. Il est né en Estonie, s'est exilé aux États-Unis à l'âge de 13 ans, où il a fait toute sa carrière militaire, et puis à l'indépendance, il est rentré servir son pays natal. Son retour gêne autant les Américains que les Russes. En 1994, les troupes soviétiques étaient encore là, jusqu'au mois d'août, et tout était à vendre. L'équipement militaire, ils vendaient tout, des roquettes, des armes de toutes sortes, des bombes aéroportées. Qui voulait acheter pouvait le faire. Si nous avions essayé d'arrêter quoi que ce soit, c'était le bain de sang. Alors, l'histoire, selon eux, c'était que j'avais un chargement sur le ferry Estonia cette nuit-là. Mais mon agent suédois m'aurait prévenu que la police était au courant de cela. Sur quoi, selon le dossier Félix, j'ai donné l'ordre au capitaine du ferry par téléphone de couler le bateau pour que cela ne soit pas découvert. Beaucoup vont croire à cette version, jusqu'à ce que l'auteur du dossier Félix soit identifié. C'est un ex-membre du KGB. Tout est faux dans cette histoire, sauf l'assassinat de l'employé du port, habilement mêlé au récit. C'est bien un coup monté, une manipulation. Les militaires soviétiques ont tout essayé pour se débarrasser de moi, pour me discréditer. Et le dossier Félix était juste une de ces tentatives. L'Estonia transportait des armes nucléaires pour les Américains. Non, l'Estonia a été coulée par un sous-marin soviétique revendu en douce à un groupe terroriste. Non, c'est la mafia russe qui a placé une mine magnétique sur la coque pour racketter l'armateur. Imagination, spéculation, déduction, tout s'en mêle dans cette histoire. Pendant des années, les familles des victimes doivent résister à une surenchère de révélations délirantes. Il leur sera difficile de garder la tête froide. Il y a trop peu de preuves de ce qui s'est réellement passé avec l'Estonia. Donc, toutes ces théories... Ok, certaines peuvent être dans le vrai, mais la plupart sont probablement fausses. La plupart des éléments de l'enquête officielle ont été rendus publics, notamment les films des plongées sur l'épave. Des séquences ont été coupées, ce qui a paru suspect. Or, vraisemblablement, ce sont les images où l'on voit des corps qui ont été supprimés. Mais la très mauvaise qualité de ces films est étrange, car peu justifiée pour 1994. On ne comprend rien, on ne voit rien, pourtant, certaines personnes y ont décelé des indices. Comme ce carré orange.
C'est cette image qui nous a vraiment fait suspecter une explosion. C'est un expert en explosifs allemand qui nous a dit que cela pourrait bien être un emballage d'explosifs. Cette hypothèse enflamme l'imagination de beaucoup. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Toujours pas une preuve. En 2000, la journaliste allemande et un milliardaire américain décident d'aller chercher des preuves là où elles sont, sur l'épave de l'Estonia. Cette expédition annoncée publiquement déclenche un bras de fer avec les autorités suédoises et finlandaises. Elles interviennent au nom du traité qui interdit toute plongée sur l'épave. On va tout faire pour les décourager. Mais ils sont dans des eaux internationales. Ceci est un crime en Suède. Vous devez y réfléchir, car si vous venez en Suède, vous risquez d'être inculpé. Je n'ai rien fait de criminel. Mais les Suédois ont lancé un mandat d'arrêt contre moi et j'ai été interdite de territoire en Suède pendant plus de 5 ans. Immédiatement, nous avons trouvé un trou gigantesque. Un trou de plus d'un mètre de large et d'une fois et demie la hauteur d'une personne. C'est un trou dans la coque qui a clairement toutes les formes qui indiquent une explosion. Mais pour en être sûr, nous avons découpé deux morceaux et nous les avons apportés dans des laboratoires en Allemagne. Ils les ont examinés et selon eux, c'était bien une explosion. Mais un autre laboratoire dément, lui, toute trace d'explosif. Qui faut-il croire ? Sur le plan juridique, nous, ce qui nous intéresse, c'est les éléments indiscutables. On n'est pas là pour faire de la fiction. En l'occurrence, ce sont des thèses qui sont évoquées, partiellement appuyées, et sur lesquelles vous trouverez immédiatement 10 personnes qui vont vous dire le contraire. Cette découverte ne va pas convaincre les autorités suédoises. Ils ont une autre explication. Il s'agit simplement d'un choc thermique qui a affecté la résistance de l'acier. L'acier s'est déformé sous la pression de l'eau. À Paris, l'avocat des familles des victimes est agacé par toutes ces théories du complot. Quand vous n'avez pas de réponse précise censée mettre un terme à un naufrage, forcément, tout le monde vient expliquer le naufrage, selon lui, comment ça s'est passé. Il est évident que c'est plus fascinant et c'est plus vendeur de dire que le bateau a été torpillé plutôt que de dire qu'il a coulé parce qu'il était en mauvais état. Je pense que le comportement des États postérieurement au naufrage est certainement à l'origine de l'ensemble de ces spéculations. Peut-on croire à un simple accident ? Si l'hypothèse criminelle a été avancée, c'est essentiellement à cause des faiblesses du rapport officiel. Cette enquête, qui aurait dû être la plus rigoureuse, s'est révélée sans consistance. Mais pour quelle raison ? En Suède, nous avons retrouvé un des membres de la commission d'enquête. Il a démissionné avant la remise du rapport officiel. Il n'était pas d'accord avec ses conclusions. Il n'y a pas eu de volonté délibérée de dissimuler quelque chose. Je pense qu'il s'agit simplement d'incompétence humaine normale. Et non de conspiration. Il s'agissait de fonctionnaires devant en rapporter à leur gouvernement qui était à la tête de tout cela. Les fonctionnaires suédois sont stricts et obéissants et ils ne prennent pas de responsabilité. Ils font ce qu'on leur dit. Par exemple, j'avais dit à notre responsable, maintenant que nous avons sur les bras un accident d'une telle ampleur, faisons une excellente investigation. Non, m'a-t-il répondu. On va faire un rapport. S'il a démissionné,
c'est parce que le rapport officiel affirmait que l'Estonia était en état de naviguer. Ce qui était faux. L'étrave mobile n'était pas parfaitement jointe. Il y avait des fuites d'eau. Et on sait d'après des passagers que l'équipage estonien essayait de colmater les fuites en utilisant, entre autres, des matelas. Le bateau n'était pas du tout en état de navigabilité. Il ne respectait pas les règles de sécurité pour les passagers. Il y avait trop de portes étanches dans la coque. On les laissait ouvertes et le système pour contrôler qu'elles étaient fermées ne marchait pas. L'Estonia n'aurait jamais dû naviguer au milieu de la Baltique. Il n'y avait pas de compartiment étanche derrière la rampe d'accès et c'était contraire aux règlements internationaux. Ce fut toléré en Finlande où le ferry a commencé à naviguer. La condition, qu'il ne navigue pas à plus de 32 km des côtes. Mais quand les Estoniens reprennent le ferry, Bureau Veritas, société de classification maritime française, va oublier cette limite. En l'occurrence, le Bureau Veritas a émis des documents attestant que ce navire pouvait s'éloigner des côtes et rencontrer une mer qu'il n'était pas susceptible de rencontrer dans le cas présent. On avait un ferry qui était conçu pour naviguer entre les îles et qui s'est retrouvé dans une très haute mer et s'est retrouvé dans une situation face à des éléments pour lesquels il n'était pas conçu. 10 ans après le naufrage, nouveau coup de théâtre. Un responsable des douanes à la retraite se décide à parler. Il déclare à la télévision que les militaires suédois ont utilisé l'Estonia pour emporter en Suède des cargaisons secrètes. Il affirme que cela s'est produit à 2 reprises. L'une, 2 semaines avant le drame. L'autre, 8 jours avant. Et à chaque fois, il a dû fermer les yeux. Ce fut un soulagement. Ah, enfin, voilà un petit morceau de la vérité. Voilà un homme qui a une conscience. Il dit ce qu'il sait, même si ça ne colle pas avec la version officielle. L'armée suédoise finit par reconnaître ces faits, mais elle précise qu'il ne s'agissait pas d'armes, mais d'équipements électroniques. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait à bord la nuit du drame ? Pour la Suède, rien, mais l'Estonie déclenche une enquête. Personne ne peut exclure la possibilité qu'il y a eu de la contrebande à bord cette nuit-là. Mais nous n'avons pas pu trouver la preuve qu'il y avait du matériel militaire à bord. Le rapport officiel est donc à nouveau mis en doute, mais cette fois-ci par la justice estonienne. Déjà secouées par le témoignage du douanier, les autorités suédoises sont contraintes d'agir. Elles commandent alors un nouveau rapport scientifique sur le naufrage. Pendant 2 ans, 60 experts maritimes, dont certains ont des doutes sur la version officielle, vont réexaminer toutes les données et utiliser de tout nouveaux logiciels de simulation. Pour ce projet, nous avons enquêté sur 10 scénarios différents. Au moins les 2/3 mentionnaient un trou sous la ligne de flottaison. Les conclusions viennent de tomber. Les scientifiques sont formels. Le scénario le plus plausible du naufrage, c'est bien l'étrave qui se détache et qui entraîne dans sa chute l'ouverture de la rampe. Et cette fois-ci, on en sait un peu plus. L'Estonia a plongé plusieurs fois dans les vagues, embarquant environ 2000 tonnes d'eau. C'est très peu, mais c'est assez pour que le bateau gîte jusqu'à 30 ou 40 degrés très rapidement.
Ils arrivent à la conclusion que le bateau ne s'est pas retourné immédiatement, mais a chaviré très lentement. Problème, le ferry aurait dû continuer à flotter. Or, il a coulé. Normalement, l'air est comprimé et cela aurait dû maintenir le bateau à flot, puisqu'il était prisonnier, qu'il ne pouvait s'échapper. Sauf en cas de déséquilibre. Et alors là, le bateau s'enfonce par l'arrière. Et nous pensons que c'est ce qui s'est passé. L'air s'est échappé et le bateau a sombré. Le fait que l'eau ait envahi les conduits de ventilation a provoqué le déséquilibre par l'arrière et a accéléré le naufrage. Sans ces conduits de ventilation, il est probable que le ferry aurait continué à flotter à l'envers. Leur scénario final est donc fort proche du premier rapport. Mais il est étayé scientifiquement. Cependant, la théorie du complot a la vie dure. C'est vraiment triste qu'ils manipulent des tests pour montrer quelque chose qui ne peut pas s'être produit dans la réalité. Donc il s'agit d'une manipulation très organisée qui implique beaucoup de gens. Je pense que nous pouvons faire totalement confiance à ces scientifiques. Mais d'un autre côté, nous devons nous souvenir qu'ils n'ont pu travailler qu'à partir des travaux de la première commission d'enquête. On a su dès le début qu'il ne nous serait pas possible de réclamer des plongées. C'était clairement stipulé dans l'ordre de mission de Vinova. C'est-à-dire le gouvernement ? Oui, le gouvernement. Tout le problème est là, et toute l'hypocrisie de cette enquête coûteuse. Ils n'ont pas eu accès à l'épave. Encore une fois, cela reste théorique. Nous sommes quasiment certains qu'il n'y a pas de trou sous la ligne de flottaison. Mais si les gens veulent en être sûrs à 100%, alors, bien sûr, nous devrions plonger. Le plus dérangeant dans cette affaire, et ce qui nous empêche d'adhérer totalement à la thèse d'un simple accident, c'est l'attitude du gouvernement suédois. Pourquoi s'obstiner à refuser les plongées sur l'épave ? Pourquoi tenir autant à ce que l'épave reste un sanctuaire alors que les familles des victimes ne le réclament pas ? Y a-t-il autre chose ? Y avait-il à bord une cargaison secrète qui n'aurait rien à voir avec l'accident, mais qu'on ne veut pas révéler ? Cela pourrait expliquer la très surprenante tentative de recouvrement de l'épave, ainsi que l'énorme pression sur l'expédition de la journaliste allemande. Mais en disant ceci, nous tombons nous aussi dans le syndrome de l'Estonien, c'est-à-dire dans le piège des déductions et des hypothèses sans preuve. Reste aujourd'hui que les familles des 852 victimes attendent toujours une réponse. Un ou des responsables. Il n'y a jamais eu de jugement. En échange de l'abandon de toute poursuite, les armateurs avaient dès le début indemnisé les familles. Leur dernier espoir, c'est la procédure qui court en France contre le Bureau Veritas et le constructeur allemand. Or, la justice française repousse depuis maintenant 12 ans toute décision. Les États ont tout fait pour éviter que cette affaire, sur le plan technique ou sur le plan juridique, n'aboutisse à des solutions claires et des réponses claires sur les circonstances du drame. Tout le monde a cherché à se défausser, c'est normal, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, personne, en dehors des victimes, n'a vraiment intérêt à ce qu'on connaisse la vérité dans ce dossier. La vérité sur l'Estonia est pourtant accessible. Mais elle repose à 80 mètres au fond de la Baltique. Il faudra bien un jour aller la chercher, sinon l'affaire Estonia ne sera jamais close.